bizarre. C'est les poils de portugais. Non, il n'y en a même pas, mec. Il n'y a même pas. Il n'y a rien du tout. Moi, il y a une sexe, ma gueule. C'est sexe, ma gueule. Parce que moi, c'est. Tu vois, genre. Ouais, mais toi, mec, il est bien sûr. Un sauvageon. Tu peux commenter, tu peux apporter une invité à ce qu'on vient. Il y a Arash aussi qui voulait commenter. Je sais pas si c'est chaud, parce que moi j'ai pas de doigts là. Pas de doigts. Bon, vas-y, on bouge, c'est pas grave. Oh t'as battu mon gros cœur. Toi, si je t'en fous. Moi, je suis mort, c'est bien joué ou pas? T'as perdu contre qui, frérot? Frérot, t'as perdu contre qui? Quand tu viens. Et bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, je suis en compagnie de Rash et nous avons un match exceptionnel entre Maillet et Charlot pour le loser Wrong Witch. Un match exceptionnel, en plus de ça, Maillet et Charlot ont pris tous les deux random. Ouais. Ils sont tombés sur Chic et Fox comme par hasard. C'est un random de ouf, hein. C'est un très random. Hein. Qui est Fox? Alors je pense que Chic et Maillet est Chic et Fox est Charlon. A priori c'est ça, ouais. Est-ce que t'es sûr que Charlon a pris random ou pas? Charlon a pris random, mais faut croire que... Voilà, pour le double shine, qui va bien évidemment enlever le deuxième stock de la chic de Maillet. Bah écoute, Maillet, a priori, il a pas eu trop de chance sur le random. Mais je pense qu'il a moyen qu'il s'adapte hein, sur le match-up. Surtout que Maillet est un très bon joueur d'adaptation. Il peut facilement remonter deux stocks. Hein. Toi, tu le connais bien en plus. Hein. Ouais, je le connais bien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on allait au sport ensemble, on mange ensemble. On dort pas encore ensemble. On mangeait au McDo ensemble. Peut-être pas McDo parce que McDo c'est pas halal. Donc, Par contre, on a mangé au Quick de Roubaix. Ouais, exactement. Oui, c'était halal. Alors, frérot, là, on voit quand même que Maillet il a quand même un bon retard qui va être bientôt de stock. Ça m'étonnerait qu'il arrive à le rattraper. Ouais. Voilà. Alors, non, faut que je précise quand même que notre Maillet national, il est dans le même état que moi. On a pas mal vu là. On a pas mal vu. Et le temps qu'on redescend, voilà, ça prend du temps. Ouais, ça m'étonnerait que Maillet puisse redescendre le temps du match. Il s'adapte bien aux joueurs, mais peut-être pas trop à l'alcool. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pas trop à la sobriété. Moi, par expérience, tu vois, quand je joue contre mes adversaires, je joue vraiment en mode random. Je ne cherchais même pas à lire les. Tu sais, jouer genre instinctivement, tu vois. J'avais aucun gameplay et tout. En tout cas, pour le moment, on voit bien que Maillet est en difficulté car il a déjà deux stocks de retard. Ouais, Maillet est vraiment sous pression, quoi, comme le tournoi. Frérot, tu manges quoi là exactement? Alors, ça, c'est une barre vide. Genre, c'est un repas complet, mais sous forme de barre. Je vois très bien, le truc à 4 euros là. Ouais, voilà, ça, ouais, 3 balles. 3 balles, ouais, ouais, ça c'est très bien. Tranquillement. Et le vaquer de Charlon qui va finir le quatrième stock de Maillet. 1-0 pour Charlon. Best of 3, si on est d'accord, best of 3. Best of 3? Best of 3. Maillet? Best of 3? 5. En fait, t'as 5 si vous voulez. C'est un best of 3, mais c'est trop dommage. Ça aurait dû être best of 5. Ah oui, en gros, en fait, je crois qu'ils font du random jusqu'à tomber sur un top tier. Ok, donc du coup, on a Charlon qui va jouer Mars. Non. Et Maillet. Ouais, si, c'est ça. Et Maillet. Non, bah non. Si, non, non, ça. Non, Maillet, il est P4. Maillet va jouer Mars. Ok. Charlon va jouer Peach. Okay. Charlon, il a une Peach. Qui est pas non plus extraordinaire, selon moi. Alors, tu sais quoi? Je suis un peu un gamin, mais. Je pense que sur un Iron Man, Charlon, c'est le meilleur joueur de France. Tu penses? Ouais. Pourquoi? Parce que. Il a un style de jeu qui, voilà, bon, il est capable de battre n'importe qui, il est capable de, tu sais, il a fait 1-0, il a fait 2-1 contre Ice, tu vois, ouais. Il a un style de jeu vraiment très bizarre, donc il est capable de battre n'importe qui, et pour moi, c'est pas son personnage, mais son style, c'est son style de jeu. Ça veut dire que quand tu joues contre son DK, son Falcon, sa Peach ou son Mars, c'est vraiment des persos qui sont identifiés Charlon, charloniste même, j'ai envie de te dire. Et charloniste, charloniste. Ça c'est sectaire un peu, là on parle de secte. Ah, mais on rentre dans des sujets sensibles. Je sais pas si Baku va pouvoir nous autoriser à parler de secte. Mais ouh là, t'as vu ou pas? La tech de Maillet sur le Dance Smash. Le Dance Smash, ouais, il était énervé. Ah, ça c'était violent. Et Maillet qui s'est pas mal entraîné hein, sur le match-up, ouais, parce qu'il s'est fait sale punir par des pitchs pendant un bon moment en Europe. Mais ouais, mais tu sais que... Parce qu'en France on en a pas, évidemment. Non seulement on en a pas en France, mais pour moi je trouve que le match-up Mars-Pitch, c'est forcément un bel avantage sur Mars.
C'est un match-up difficile. Non, c'est clairement un match-up où il faut attendre, il faut zoner, il faut se préparer, il faut avoir de la patience. Et Charlot, il connaît ses petites phases, il a l'histoire des petites phases. Phase de dance throw, je sais pas trop là, faire, d'achat. Tu vois, pour moi, le match-up Mars-Touche, c'est un petit peu comme le match-up Mars-Falco, tu vois. C'est-à-dire que Falco, il doit faire 40% du taf, enfin 60% du taf. Et c'est à peu près là. Oh ah, Mayek, c'est cru dans Smash Ultimate. Smash Ultimate, effectivement. Mais il n'y a pas d'aimant sur le stage, malheureusement. On n'est pas encore dans ce jeu-là, en fait. Nous, on joue à l'ancien jeu, en fait, c'est mêlé. Qui est sorti il y a 15 ans. Ouais, 15 ans, et même plus, hein, bientôt. Hein. 2002, je crois, 21 novembre 2002. Ouais, Charlon, il a aussi essayé de faire une Ultimate, mais bon. De Charlon. Ça réussit pas, hein. Ça réussit pas les mecs. Mayek qui va faire sa petite salle de tech chaise, voilà, avec un bon spacing. Charlon qui lui, sortant à la tech chaise, qui va essayer vraiment de gêner le plus possible Mayek avec ses radis et ses jabs et ses fers, hein. C'est très fort ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dans Smash, hein, bien évidemment. Oh là, le fer, Mayek a sauté sur le fer, c'est pas bien. Faire, encore faire. En gros, elle est là, c'est parti, il a plus de saut. Ah, faut juggle. Maya a raté. Il a pas lu. Il a essayé de faire un smash. Maya a pu faire un smash. Mais Maya, il est pas trop mal parce qu'il est sur FD. Sur un terrain style Battlefield, Peach, elle est beaucoup plus relou. Elle peut chier, beaucoup plus zoner. Pas mal ça. Ouais. Le drop faire là. Mais faut conclure. Maya, il a pas su conclure. Maya, il va pas se faire punir. Et là, c'est bien évidemment. Et là, c'est le. C'était un tipper, non? Non, c'est même pas un tipper. Pas besoin. Un tipper, pas besoin. 150% pitch, voilà, tu vois. Une flottille comme ça. Enfin, tu vois, Mayek, il a cette habitude de sauter sur le fer de pitch, c'est vraiment pas quelque chose. Il a cette même habitude quand il joue contre Chic, où genre Chic va l'attaquer avec un fer, il va sauter, tu vois. Ouais. Alors, c'est vraiment pas le problème qu'il a fait. C'est dur de challenger pitch. Ouais, c'est dur. Surtout quand elle en float, elle peut sortir n'importe quelle option, elle aura pas trop de lag. Éviter en général. C'est vrai que tu vois, on a bien vu que Charlon il a abusé sur du down smash deux fois, trois fois. Ouais, pas de soucis, hein. Franchement, t'en balances plein, c'est bien. Quand un c'est pas assez, t'en balances deux fois. Histoire deux. Down smash. Down smash, vers dash attack. Ok, c'est bien joué de la part de lui. Ah, le tipeur raté de la part de lui. Ah là, dash attack. Qui est en difficulté avec 99%. Ça commence à devenir très difficile. Ah, c'est le pourcentage là. Et le type. Oh, le fantôme. Wow, le fantôme qui aurait tué Peach, les amis. Ça aurait tué Peach. Mayek qui est énervé là. Ouais, Mayek qui est un petit peu énervé. Le backer de Peach qui va tomber sur Mars. Mayek qui va se. Il a sauté direct. C'était très dangereux. Il fait un smash, ça passe bien. Le père raté, bien évidemment, le dump smash. Je crois qu'il a essayé de faire un up tilt, mais il a raté. Il a sauté en fait. Et tu vois, on se trouve dans une situation très difficile. Allez, bien évidemment, etc. Et voilà, c'est on se trouve dans une situation très difficile quand t'as les deux persos qui ont un pourcentage. Ah ouais. Quand t'as les deux personnages qui ont haut pourcentage, moi j'aurais donné l'avantage pour Peach, et parce que Mars il est pas si fort que ça à haut pourcentage, comme un petit peu contre Chic, où quand tu vois un Mars Chic à haut pourcentage, tu donnes l'avantage pour Chic. Parce que Chic a plus de coups qui va permettre de kill Mars plus facilement, et comme Peach elle a son air, elle a ses radis, elle peut aller edgeguarder Mars facilement, tu vois. C'est vrai, et en plus de ça, elle a pas de lag sur ses coups, donc elle peut très bien relancer les dégâts. Du coup, c'est très compliqué. Ça va très vite. Et donc, du coup, Mayek qui décide de garder Mars et Charlon qui décide de prendre Fox. Vu que ça fait 1-1, il n'y a plus de random, là, c'est le vrai match. J'ai fait la même chose contre Psylo, ton patriote. Ouais, mon pote. Il a réussi à battre Chic, et donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre Mars parce que là, sinon, ça va être la merde. Et pour le moment, superbe combo, upper, faire, up de la part de Mayek. L'edgeguard, c'est dommage ça. Wow, le grab était. Ouh, dans ce match, ça aurait été très sexy, les amis. Ah, c'était très fancy, bravo Mayek. Tu es élégant, Mayek. Alors, faut dire que dans ce match-up là, surtout à ce niveau-là, parce qu'on va pas se mentir, Charlon, c'est quand même un top player français. Ah, Charlon, c'est e-sport, hein, ce mec. Totalement. Rien n'est joué là pour le moment, rien n'est joué. Oh, ah, Mayek qui a des réactions de mec bourré. Alcool. C'est à peu près ça. Alcool, ouais, c'est bien. Pour enlever le premier stock de Charlon. Mais rien n'est joué, les amis, Rien n'est joué du tout. Charlon peut arriver et passer en mode Saiyan. Ah, mais totalement, surtout avec Fox. Hein. Fox, il a un punish game de malade. Et Mars, c'est la même chose aussi. Hein. Ouais. Ah, tu peux faire des 3 stocks comeback. Oh, dommage. Voilà. À la poubelle, ça part. Hein. Ah, tu vois, c'est rapide. Hein. Franchement, c'est un match-up très rapide. Hein. Voilà, Mayek qui va grabber, le faire bien évidemment. Là, on est parti. Mayek qui connaît ses phases évidemment.
on vous l'apprend pas, c'est ce joueur de Mars, top français. On voit bien quand même que Maillet il insiste beaucoup sur ses grappes pour pouvoir punir avec un EPR plus un smash ou bien un EPR plus follow. Bah, Maillet il a tellement des bonnes phases en sortie de grab sur Fox et Falco et Falcon que évidemment il va tenter le grab. Ah bien évidemment. C'est vraiment, regarde, voilà, 1, 2, 3, pas de soucis. Ouh, t'as vu ce qu'il a fait ou pas? Ouais, là, c'était joli. Ah, et là c'était dangereux. Là c'était dangereux parce que Charlon aurait pu punir avec un shine. Il était un petit peu trop gourmand et surtout. Ouh, c'est fini. C'est fini pour. Oh eh non, Maillet, toi, Maillet il a pas eu. Voilà. Et là c'est mort. Ouais, là c'est. Et non, ouais, si. Évidemment, comme tu le dis, des réflexes de bourré. Ouais, les réflexes de mec bourré là, c'était. Donc on a quand même un match entre Charlon et Maillet, de stock. C'est quand même des anciens rivaux, hein, faut le préciser, ces deux-là. C'est toujours des rivaux, genre. Tu sais, moi je les ai connus, j'étais tout petit. J'étais obligé de les apprivoiser un par un. T'aurais dû leur donner des bonbons, c'est ça? Une Game Boy. Et là, j'ai toi. Oh! Bah non, mais ça c'est un truc de gamin, faut pas faire ça. C'est pas bien, Archioma, franchement. Je sais pas si. Ouais, Charlon qui a fait sans doute pause. Hein. Ouais, Charlon qui a fait pause. Il voulait vraiment bien montrer le shine qu'il avait fait sur le. Il était tellement beau. Ça, c'est une pause. C'est une pause très compliquée, ça, on va pas se mentir. Parce que tu sais que quand tu fais pause dans un match, mine de rien, ça gâche vraiment le rythme, tu vois. Ça gâche le momentum. Ah mais totalement, et voilà, le EPR qui va pas suffire pour tuer, mais Charlon qui va follow avec un deuxième EPR. Et là, bien évidemment, ça suffit. Et là, c'est last stop, last match. Last stop, last match, les amis. Ah, c'est pas mal, hein. Entre Charlon et Maillet qui va. Ouh, sur. Avec un EPR. Charlon, il est tendu, là. Charlon, il est sous pression. Maintenant, c'est Maillet qui est sous pression. Ouais, ça va vite. Ah, ça se spaghetti là. Ça va vite. Ça va très vite. En difficulté. Ouh, le super DI. Ouais, la DI est bien. Il a pas stressé. Smash. Et non, il a pas smash. Le back air. Ah, ah c'est non, fini. Dommage, le Shorten. Maillet qui remporte ce match avec un joli 2-1. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et je crois que c'est à moi de jouer maintenant. Je vais jouer contre un boss. C'est à toi.